l'hydrogène, c'est là. Oui, de l'autre côté. Là, où, par rapport au plan. C'était ici. Ici. Des visites additionnelles pour évaluer des terrains qui sont disponibles pour les projets que nous avons déjà en cours, financés par l'Union européenne, de la construction et l'opérisation d'un poste à guichet unique à Roussy-Sy 2. Dans la dernière année, on a fait vraiment beaucoup de démarches à côté du gouvernement de la province du Sud-Kivu. Il y avait pas les conditions idéales au niveau des terrains, donc ça a été beaucoup de travail qui a été fait. Et je pense que les constats et les évaluations qu'on a fait aujourd'hui et la discussion surtout avec les gouverneurs nous l'a mis sur la bonne route. Et maintenant, on aura une réunion avec tous les acteurs concernés, surtout les agences qui œuvrent à la frontière pour déterminer ce qui sont pour le moment, ce qui reste sont des détails, mais ce qui est vrai, c'est que maintenant, il semble que la situation est finalement décantée et qu'on est vraiment comme partenaire d'exécution, l'OIM et TMIE, on est vraiment maintenant dans la mesure de pouvoir débuter les travaux de construction et opérisation du poste à guichet unique de Roussy-Sy 2. Les partenaires sont prêts au niveau opérationnel. Il y a encore quelques démarches qui restent à faire. Donc on espère bien que fin de juin, on pourra vraiment avoir des progrès visibles. Mais les progrès sont déjà là parce qu'on est déjà en train de travailler sur les documents qu'il faut, sur la coordination qu'il faut. Il y a des interventions qui sont visibles, d'autres qui ne sont pas visibles parce que ce sont plus au niveau du processus. Mais juin, c'est vraiment les mois dans lesquels tout ça va se concrétiser.